du changement de cadre aujourd'hui. Et oui, tout simplement parce que nous sommes le sixième jour de ce calendrier de l'Avent. Et qu'au programme de notre petit exercice de 5 minutes max du jour, on va aller marcher. Du coup, allez, viens, je t'emmène. On va aller marcher en conscience. Donc l'idée, c'est de faire une méditation en mouvement. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'aller dehors si ce n'est pas le moment. De toute façon, c'est 5 minutes max, donc peut-être le temps de mettre tes chaussures et de descendre, on aura perdu les 5 minutes. Donc tu peux tout à fait le faire à la maison, dans l'appart, peu importe où tu habites. L'idée, c'est juste que quand tu vas marcher, prends le temps de regarder où tu poses les pieds, d'avoir conscience de tes mouvements en fait. Vraiment comme quand en méditation, on a conscience de sa respiration. Bah, là, l'idée, c'est ne pas partir dans ses pensées et de regarder ce qu'il y a autour sans vraiment chercher à comprendre. C'est vraiment d'être focus sur l'activité qu'on est en train de faire. Et là, ici, c'est tout simplement la marche. Et du coup, c'est pour ça que marcher autour de la table basse dans le salon, ça fonctionne très très bien. Ou autour du lit dans ta chambre. Pas de problème. Ok, allez, on est parti. Je t'emmène. Moi, je suis allée dehors. Et voilà, ce petit exercice est terminé. J'espère qu'il t'a fait le plus grand bien, notamment si tu es en télétravail et que tu passes tes journées assis ou assise au bureau. Et comme toujours, si tu n'as absolument pas compris de quoi j'étais en train de parler quand je te racontais les petits exercices de 5 minutes max, le calendrier de l'Avent, il est toujours à télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la zone de description sous la vidéo. Si ce petit moment t'a fait du bien, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air. Si t'es arrivé ici par hasard et que t'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le! Fais-le, qu'attends-tu? Sinon, tu vas louper les prochaines vidéos, ce serait dommage quand même, on n'est qu'au jour 6 et il reste encore pas mal de jours avant Noël. Donc, ne perds plus de temps, c'est parti. Et moi, je te dis à demain pour le prochain moment ensemble.